Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que j'ai à vous annoncer est très grave. Vous savez, l'humanité tout entière va prendre une tournure très dangereuse dans les jours qui viennent. Parce que Donald Trump, chrétien évangélique fervent, est désormais le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire numéro un, la plaisanterie est terminée dans le monde. Numéro deux, au niveau de l'Ukraine, la guerre est terminée. Parce que Donald Trump saura dire la vérité au président ukrainien, au président russe. Au niveau même d'Israël, le problème est déjà réglé. Ce qui me plaît avec ce monsieur, c'est sa capacité de courage. Lui n'est pas dans les dialogues. Ça ne va pas, il tape sur la table. Parce qu'on a des présidents faiblards. Si Donald Trump était président, Nicolas Sarkozy est encore président de la France, je vous jure qu'il y a des choses qui n'allaient pas avoir lieu dans le monde. Parce que d'abord, ils ont ce qu'on appelle la personnalité. C'est d'abord des guerriers. J'ai vu beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes qui tentaient d'annoncer, oh oui, Donald Trump ne gagnera pas, parce que si Donald Trump gagne, les étrangers auront des problèmes aux États-Unis. Non, le monsieur, c'est un bosseur. Quand vous avez à la tête de votre pays un homme qui a une seule vision, le travail, bosser, faire avancer le pays, votre pays est obligé d'avancer. Et aujourd'hui, c'est Donald Trump qui prend maintenant le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Vous allez voir ce qu'on appelle le monstre américain. Il n'y a pas un pays qui a s'amusé les États-Unis dans cette crise. Non, c'est fini ça. Donald Trump était président des États-Unis, mais il y a des choses qu'on n'allait pas voir au niveau de l'Afghanistan. Il y a des choses qu'on n'allait pas voir. Donc aujourd'hui, moi, pour moi, c'est une très, très, très bonne nouvelle de constater que Donald Trump, aujourd'hui, est le nouveau président des États-Unis. Et en même temps, vous voyez, c'est là que tu vois l'hypocrisie. Des Noirs. Et même pas des Noirs seulement, même des hommes, des humains. La concurrente de Donald Trump était annoncée d'abord dans les sondages vainqueur. Vainqueur, vainqueur. Les Américains, rancuniers, judaient dans leur cœur. Ils ont attendu à la dernière minute pour dire, Joe, c'est femme qui va nous diriger. La première puissance au monde, Go va diriger ça, non, on n'est pas prêt. Non, 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 non. Il faut un gars qui de temps en temps, ça fait un peu de catch, de temps en temps, ça en lutte un peu. Voilà, c'est lui qu'on veut. Et voilà, Donald Trump a gagné. Propre. L'homme qui avait été humilié, procédure contre lui, procès contre lui. On va arrêter Donald Trump, on va le jeter en prison. On a lancé des procès, on l'a humilié, on l'a menotté. Aujourd'hui, Donald Trump est devenu président des États-Unis d'Amérique. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que les gens ont humilié un jour. Que les gens, moi ma vie doit être un témoignage même pour vous. Parce que regardez le niveau souvent de la haine. Dans ces temps-ci, je vois même mes frères, les yakas, les autres, des panels, les autres. Vous avez vu, j'ai compris que l'excellence, quand l'excellence est sur ta vie, les gens parleront de toi parce que tu déranges. Ce qui fait mal à certaines personnes, c'est que Camille Macosso se présente comme étant le président des influenceurs, blogueurs, acteurs de réseaux. Monsieur votre chef, là où je rentre, vous ne montrez pas. Ça veut d'avoir un. Là où je parle, vous ne parlez pas et vous ne parlerez jamais. Et si on veut rentrer dans un débat intellectuel, sur que ce soit politique, social, spirituel, vous tous, je vous dame le pion. Vous êtes mes petits. Ça, c'est pas un débat. En matière d'abonnés, encore, vous êtes mes petits. Sur tous les points, vous êtes financièrement, vous êtes mes petits. Donc quand papa parle, les enfants ont dit oui, chef. Vous devez commenter sur oui, chef. Mais j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Vous voyez, il y a des gens qui ont parié que toi, c'est fini pour toi. Il y a des gens qui sont sûrs que toi, tu ne seras rien dans la vie. Ils sont sûrs que du fait qu'un jour, ton commerce est tombé, du fait qu'un jour, ton mari est parti, tout est terminé. La vie de Donald Trump nous enseigne que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie, ce sont des virgules. Le point, ce n'est que Dieu ce qui met. Tant que la mort ne t'a pas compris, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours croire tes rêves. Donald Trump avait rêve. Reprendre les États-Unis et réaliser ce qu'il n'avait pas pu réaliser. Je proclame sur ta vie que tu vas atteindre tes objectifs. Et c'est ça, tous ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère, regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire, je n'ai même plus boire les bières. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe, docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis M. Takuke Matiedi, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui ai dit. Voilà, après un bilan de santé, je lui dis voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis voilà, vous avez tel problème à tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibromes, de kystes, de cancer, de troubles d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de sperme, de diabète, d'hypertension,
conséquences. Hépatite A, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'est un traitement qu'il fait généralement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la Recherche à lancer avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années. Et alors donc, pour tous vos problèmes de santé, venez nous voir, vous ne serez pas dessus. Je consulte à Mandier le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. J'ai trois jours dans la ville de Yaoundé pour soigner les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher, dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.